Très bien, eh bien nous nous retrouvons, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour cette première aventure de... Enfin, la suite en fait du Let's Play sur Prison Architect. On avait fait la partie campagne, comment dire, la première fois, enfin le... dans un premier temps. Et donc on continue, bien évidemment, on continue. Mais ce coup-ci avec une partie libre. Donc j'utilise la petite technique dont je vous avais parlé pour virer les arbres. Ça consiste simplement à créer des... Voilà, à créer un bâtiment et le détruire tout de suite derrière. On ne perd pas un sou, mais nos ouvriers vont pouvoir directement détruire les arbres. Et ça, c'est cool. Donc, non, c'est pas cool de détruire les arbres, mais on a besoin du terrain. Voilà, donc, après l'écologie, hein, moi, c'est le dernier de mes soucis. Mais c'est autre chose. Ici, il y a un truc qui va m'enquiquiner. On va le déplacer un petit peu. Hop, allez, ça fait rien. Voilà, et on va mettre l'entrepôt ici. L'espace de livraison, tout de suite, je vais anticiper et je vais le... l'agrandir parce que je vais avoir besoin de ça. Les ordures, ça normalement ça devrait suffire. Bon, donc ça voilà, on va pouvoir commencer pendant que nos ouvriers détruisent les arbres. On peut peut-être commencer déjà par peut-être des plans ou pas. Donc déjà je vais mettre en x3. Voilà, on a déjà des choses qui arrivent pour les livraisons. Alors, on peut déjà commencer à... Alors, si je fais de bêtises ici. 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Alors. On va commencer par faire un mur ici. Ouais, on va commencer par faire un mur ici. Pas trop grand pour commencer. Aussi, on va aller jusqu'au bout comme ça déjà. Hop, voilà. Comme ça, on a déjà notre premier mur de poser et on va juste laisser une entrée. Après, c'est la forêt. Bon. Et on va déjà commencer à refaire un petit peu le même bâtiment, le même départ un petit peu que ceux que l'on avait précédemment. Alors. Juste, il va falloir que je fasse 2-3 plans pour juste me souvenir. Mais normalement, donc ici, on va avoir un premier. Voilà. On va avoir deux murs. Et ici, on va les serrer. Alors, est-ce qu'on les serre? Non, allez. 1, 4. Donc là, il nous faut du 13 par... Alors, du 13 par... Alors, 13 par 37, ça passe. En fait, je pense qu'il me faut un nombre impair à chaque fois. Il me semble que 47... non, je peux aller plus que ça. Donc ça, il faut pas. 1, 3, comme ça. Allez, hop, comme ça. Je sais pas combien ça fait. On va déjà estimer. Donc ça va être le bloc de cellules quand il sera construit à fond. Mais on ne peut pas investir encore trop dans une cellule de cette taille-là. Donc on va en faire une plus petite au départ et on va juste laisser les plans. De toute façon, ce qu'on va faire dans un premier temps. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est la cellule commune. En fait, on va pas faire ce bâtiment-là tout de suite. Mais. On va faire un bâtiment, on va faire une cellule commune pour
commencer. Et ça, on va la faire tout de suite de 21 fois 21. Ouais, allez, on va commencer comme ça. On va commencer comme ça va être le plus simple. Donc je vais mettre en pause. Et on va faire un truc en béton. 4 ici. Et on va faire un bâtiment de assez grand quand même, hein, 20, 21 par 21, faut que ça fasse. Je pense que c'est. Ouais, voilà. Hop, et ça donc ce sera déjà notre cellule commune. La cellule où arrivera les ouvriers. Il y aura également la salle qui sera à terme transformée en une salle d'admission. Certainement. Où elle sera coupée, où cette cellule sera coupée en deux et il y aura la salle d'admission. On va faire comme ça. Mais pour le moment, puisque la salle d'admission, je peux pas la faire tout de suite. Hein. D'accord. Non, je peux pas la faire tout de suite. Apparemment, la salle d'admission. Attendez, je regarde. Admission. Si je peux faire la salle d'admission. Ah, on va plutôt procéder comme ça alors. On va annuler. On va annuler. Et on va faire une salle d'admission. Puis la prison commune. Alors, la salle d'admission, va pas falloir qu'elle soit forcément énorme. Donc on va la faire de. On va la faire de. Ouais. Ouais, du 15 par 15 déjà, ce sera pas mal. Allez, ça ce sera notre salle d'admission. 4. Et ça sera notre salle. Ouais. Donc ça j'avais dit 21. C'est pas vrai. 21 par 21. Hop. Et ça ce sera notre cellule. Et ce qu'on peut faire, c'est les lier ainsi. Ça, non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Et mes plans sont faux. Mais bon. Ok, je suis en train de me mettre les pieds dans. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. Alors, mes plans. Le mur, ça viendra. Il viendra un plus loin. Comme ça me paraît bien. Et donc là, on a les murs. Et donc là, on va avoir. Donc on va avoir ici une porte de prison et ici. Une porte de prison. Ici, on va avoir deux portes de prison. Et je dirais construire les murs, en fait, ce sera plus simple. De toute façon, je suis en pause. Donc, tac. Tac. Hop, hop. Ici, ici. 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 Alors ça, ce sont des sas de sécurité, hein. Je mets tout simplement après des comment? Des détecteurs de métaux. Et puis ça résout le problème. Alors, hop. Voilà, on va déjà avoir ça. En face, je vais faire tout de suite, c'est la cantine, parce que ça, c'est le truc le plus important, un des trucs les plus importants. La cantine. En béton dans tous les cas. Pareil, on va commencer à partir de là. Ouais, allez, ici. Et ici, on va la faire de. Pareil, hein, on va faire des grands bâtiments quand même.
Donc ça va être... Ouais, donc ça va être la cantine. Alors, on va déjà construire ça. Les prisonniers, ça attendra un peu. D'accord. Alors, pour le moment, j'ai plus de sous. Mais de toute façon, pour le moment, j'ai pas d'architecture. Donc, j'ai rien pour accueillir les prisonniers pour le moment. Donc c'est pas la peine de commencer. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se bloquer ici. Ok. Alors, j'essaierai plusieurs choses hein, au cours de cette seconde partie de série. Là, aujourd'hui, on va faire vraiment voilà, le démarrage. Donc, je vais tout filmer. À terme, peut-être pour le second épisode, par exemple, je ferai un timelapse. Voilà, et vous aurez un timelapse donc de l'évolution de la prison. À cela, j'essaierai les deux méthodes et je vous posterai la meilleure, à savoir qu'il y a un mode d'enregistrement dans le jeu, mais j'ai peur qu'il soit pas assez fluide. Donc je pense plutôt enregistrer avec Fraps et mettre en accéléré x8 comme je fais d'habitude. Je trouverai certainement des remixes de Prison Break ou des trucs comme ça sur Newground. Donc ça, je ne me fais pas trop de soucis. J'ai oublié de faire l'entrée ici. Est-ce que si je la fais ici, plutôt la faire de l'autre côté. Point insuffisant, évidemment. J'ai pas de thune pour terminer ce bâtiment. Alors ça, c'est ennuyeux. Mais heureusement, quand on est dans le caca comme ça. On peut toujours. Alors. Ces bâtiments-là, où est-ce qu'ils en sont? Ce bâtiment-là, ils n'ont pas encore été construits parce qu'il manque encore de trois trucs. Ok. Alors. Pour le moment, il n'y a pas d'ouvriers, donc. Porte ouverte en permanence et porte ouverte en permanence. Voilà. Alors, on va prendre un lettre de dirigeant. Ouais, donc ça il nous rappelle un petit peu le. Bon, on va la laisser. Est-ce que je veux. Non, c'est pas ce que ça que je veux, c'est. Et c'est mention, voilà, c'est ça. Alors. Voilà, on va prendre ça, le centre de détention de base, ce qui va nous permettre, voilà, d'avoir un petit peu de fond pour commencer. Donc, on va pouvoir mettre. Ici, hein. Ouais, c'est ici. Et on va pouvoir ainsi construire un autre mur. Donc ici. Ouais, il l'a ouvert, donc c'est ici. Non. Ouais, c'est là. Hop. Ouais, c'est ça, elle est ouverte. Donc là, et on va démolir ce mur. Voilà. Maintenant qu'on a ce bâtiment, on va pouvoir construire le bâtiment adjacent. Alors, on va déjà marquer que, on va déjà noter que ça, c'est la cantine. Donc la cantine. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre tout de suite fondation béton. Ouais, ici.
va faire ça en... Est-ce que j'ai besoin de faire aussi grand? Ça va être une grosse cuisine. On va faire vraiment une grosse cuisine. Ouais, on va faire une très grosse cuisine comme ça. À terme, on sera moins emmerdé. Donc, alors, il nous faut alors la cellule d'attente. On va commencer par ça. On va commencer par résoudre ce... Comment? Par faire ce... Par montrer l'agencement. Alors, on va avoir la file d'attente. Alors, la cellule d'attente, il me manque des toilettes et des bancs. Alors, toilettes. Je réfléchis, hein. On va mettre les toilettes ici. Et quelques bancs. Pas en mettre trop non plus parce que pour le moment voilà on n'a pas de sous, on fera un peu plus RP plus tard. Voilà. Hop, pour le moment on va faire ça comme ça. Alors il nous faut ça, il nous faut une cuisine, une cantine, ça c'est en cours. Nécessite une entrée. Alors ça va être l'entrée du personnel, ça va être ici. Du personnel. Et on va faire ça. Genre on va la mettre là. Comme ça, on peut marquer les murs ici. Ici pareil, hein, il y aura des. Il y aura à terme des détecteurs de métaux. Je peux pas les mettre pour le moment, j'ai pas assez d'argent. Ok, et on va démolir ce mur. Ok. On va juste ragrandir la cantine de 1. Comme ceci, et on va poser tout de suite en objet les tables de service. Il faut que je mette dans le bon sens. Alors j'en mets un peu partout. Parce qu'en fait, à ce que j'ai compris, ça sert de stockage. À la ressource, au comment, à la nourriture produite par les cuisiniers. Donc plus on en a, plus on peut desservir de prisonniers. Est-ce que j'ai compris, ça marche comme ça? Donc on va faire ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et les tables. Une table ici. Voilà. Comme ça, voilà. Alors, c'est peut-être pas optimisé au niveau. Mais bon. Alors, on a ensuite la cantine. Alors, la cuisine, pardon. La cuisine. Alors, la cuisine, c'est ici. Et la cuisine, il me faut un objet. Il va me falloir donc des cuisinières.
ça lagouille un petit peu. Allez, on va remettre. Fond insuffisant. Allez, ok. Hop. Là, il va falloir qu'on commence à avoir nos premiers prisonniers. Ok, il va me falloir également deux gardiens. Je peux même pas les embaucher. Et les cuisiniers non plus. Alors, j'ai deux choix. Sachant qu'il va me falloir une porte de prison. Attendez, il me manque 2-3 trucs avant que je puisse accueillir des prisonniers, mais. Il me manque ça et il va me manquer. Il va me manquer un bout de mur là. Bah écoutez, vous savez quoi? On va juste les accueillir. Attendez, on va juste garder cette proportion-là. Voilà, puis le dernier cran, ce sera pour quand on aura des prisonniers, enfin des condamnés à mort. Ok. Donc là, premier objectif, ça va être accueillir les prisonniers dans 20 h. Je vais pas attendre 20 h là à rien faire. Je réfléchis. Hein. Donc j'ai 16 prisonniers qui arrivent hein, dans 20 h. Mais il faut que je fasse autre chose entre deux. Alors, petite astuce, voilà, j'ai ça, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre des objets, je vais vendre les bûches que j'ai récupérées. Voilà, comme ça j'ai 7000 et je peux terminer les constructions pour le moment. J'ai même de quoi faire ma cour. Alors, je vais juste virer la forêt. Donc pour ça, pas compliqué. Hein, je mets en pause. Béton. Bah, fond insuffisant, mais. Bon, je vais devoir le faire petit à petit, mais. Voilà, je vais pouvoir virer les. Et quelques forêts qui traînent. Voilà, comme ça, le bois, je vais pouvoir le revendre. Et gagner un petit peu d'argent avec ça. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Ces arbres-là, faut qu'ils me les virent en priorité. Je vais juste me permettre d'engager. Alors, les deux gardiens. Et les cuisiniers. Ah oui, puis il y a la douche aussi à faire. Il y a la douche à faire aussi. J'ai pas assez de sous pour faire la douche. Je vais au moins faire la cour, ça c'est sûr. Bon, j'ai déjà validé la cuisine. Pour valider la cuisine, il me faut pas grand-chose. Il me manque juste l'évier. Et les frigos. Je veux juste mettre. Je vais juste être sûr. Hein. Donc je vais mettre deux gazinières. Je m'en pose. Deux éviers. Est-ce que j'ai la place pour les frigos?
Ah, peut-être les frigos si je les mets comme ça. Ouais, si je les mets comme ça passe. Allez, hop. Donc on va faire ça comme ça. Va me falloir également l'argent pour le pour l'électricité, pour tout ça. Excusez-moi. Donc ça, l'électricité, je peux déjà construire les bâtiments qui vont les accueillir. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est on va le faire sans briques. Et ici, on va mettre donc. Alors que je dise pas de bêtises. C'est du 9 par 9. Non, du 7 par 7. C'est ça, ça fait les trois du milieu. Ça, c'est la taille suffisante pour le truc. Je rajoute 2, donc c'est ça. Donc ça, c'est pour l'électricité. Et à côté, je vais me mettre même là. Hop, et là, je fais un 5x5. Pour la flotte. J'ai pas assez pour le pour ça. Oh merde. Excusez-moi pour le gros mot. Porte du personnel. Et je vais mettre une porte du personnel aussi ici. Je reçois mes premiers prisonniers dans 11 heures. La salle d'admission, j'ai personne. Bureau, table et chaise. Ça, je peux le faire rapidement. Donc, un bureau. Deux tables. Une chaise. Ok, alors hop, les tables qui manquent ici parce que hop, parce que voilà. Et est-ce que je demande une deuxième subvention? Ben, c'est pas ce que je voulais faire. Subvention, subvention. Le centre administratif, de toute façon, c'est ce qu'on va devoir faire après. Ouais, allez, on va prendre de l'argent pour le centre administratif et on va déjà l'organiser dès à présent. Alors, on va juste faire avant le... non, en brique. 4, hop, ici on va faire le bâtiment de 5x5 pour accueillir... Non, 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 annuler ça. Faut que ce soit en 7x7 aussi. Ah ouais, Oh, allez, on va faire du 7x7 aussi, on s'en fiche. Et on va mettre une petite part du personnel. Ici. Ok. Ensuite, on va avoir les bureaux. Alors, les bureaux, ça va pas être compliqué. Pareil, ça va être des 7x7. Donc, il me faut pour le moment deux bureaux. J'ai les fonds suffisants pour les créer. Donc on va créer alors normalement 6x6 c'est suffisant mais on va faire du 7x7. On va juste les espaces c'est d'un les bureaux, on sait que c'est. Voilà, on sait que ça va être des blocs de bureaux. Quoi, j'ai pas assez pour faire le deuxième? Oh la loose!
Il me manque à peine. Ouais, il me manque 106 dollars pour faire le. Ah, la loose. Bon, tant pis. Donc, on va juste mettre une petite part du personnel ici. Ici, ce sera pour le directeur. Et on va juste attendre les prisonniers pour avoir les fonds suffisants. Remarque le directeur. Ouais, mais il faut que le bureau soit officiel, donc c'est mort. Il me faut. Et ça coûte 5 000 le poste d'électricité. Hein, pareil. Ah non, c'est bon, je les ai. Je suis con. Ils sont offerts. Les premiers sont offerts. Je suis con. Et j'ai droit à un condensateur gratuit en plus. Allez, hop. Pose-moi ça, bro. Ok. Je vais vendre les. Oui, je suis con. Je vais vendre simplement les. Hop. Voilà. Je vais être en pause quelques instants. Je reçois mes 16 prisonniers dans 14 minutes. Non, 34 minutes, pardon. Et tout reste à faire. Allez, ça je peux le remettre en accéléré. Alors, il me faut. Donc ici, cette pièce sera un bureau. Donc en objet il me faut un bureau. Une chaise. Ok. Et de là, je vais pouvoir engager après mon directeur. Ma directrice plutôt. Voilà. Donc, et elle, en plus, elle va pouvoir en plus nous rapporter un peu de pognon. Oh, Flair! Il y a un Polaroid! Mais c'est génial! Ok. Ok, d'accord, ok, il y a juste des Polaroids, c'est des easter, enfin pas des easter eggs, mais des. Ouais, ok, ah oh, bah c'est cool, non, moi j'aime bien, j'approuve, complètement, j'approuve, mais complètement. On va tirer un peu les lacs. Alors, je vais tirer les lacs tout autour, de façon à ce qu'on puisse tirer en fait directement. Voilà, hop. Ok, et là, on va avoir la cuisine. On va tirer ça jusque-là. On va déjà tirer ça jusque-là. Après, on a ça. Et ça. On va tirer ça comme ça. Ok. Ensuite, il y a la flotte. Et on a déjà 20 tuyaux d'eau fer et je l'ai pas vu. Ok, très bien. Et si j'ai pas de bêtises, la sortie, c'est là. Hop.
Donc ça, pareil, on va pouvoir le tirer jusqu'au centre, hop, de l'allée. Vous êtes bloqués les gars, vous bougez pas, je vous ouvre. Voilà, au niveau... Alors, ce qu'il nous faut également, c'est notre fameuse cour de prison. Donc ça, on va la faire. Les douches avant. On va faire les douches avant. Comme ça, on va être tranquille. Donc, la douche avec du béton, hein, comme d'habitude. Hop, ici. La douche, on va faire du... du 21 par 21. Hop, voilà, ça fait déjà une belle douche. Donc, on va mettre l'entrée. Objet. Porte de cellule. Ici. Alors, entre-temps, parce que je me suis un peu intéressé au sujet, j'ai regardé des enfin, notamment un reportage sur, sur les prisons. Et ouais, enfin, comment, y a des choses intéressantes, hein, à savoir sur, sur les prisons, notamment les prisons françaises, hein. J'ai trouvé les reportages sur le sujet assez intéressant. Et surtout au niveau ouais, des réhabilitations qui sont mises en place dans les prisons. Donc voilà. Et notamment, une chose que j'ignorais, c'est qu'en fait, en tant que citoyen français, on peut demander à faire partie des commissions, alors ils appellent ça les commissions de discipline. Dans les prisons, en fait, pour voilà quoi, pour participer aux commissions de discipline, lorsqu'un prisonnier en fait a fait une bêtise, en fait, c'est comme un conseil de discipline au lycée, mais là c'est en prison. Et en fait, en tant que citoyen, on peut demander à participer à cette administration-là. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant en fait, parce que ça permet en fait aux prisonniers d'avoir quand même un contact civil en fait, un contact avec un civil en fait. Donc voilà, je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça, ouais, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, c'est pas une idée plus idiote qu'une autre quoi. J'avais laissé le brouillard de guerre, je me souviens pas, pour le jeu. Bon, alors, les pommeaux de douche. Alors, je sais que j'ai 18 prisonniers qui vont arriver en Incom, hein. Mais bon. Je peux toujours les annuler au dernier moment. Pour le moment, on va laisser courir. J'ai toujours pas de cellule personnalisée. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée de... Bon, pour le moment, on va juste faire comme ça. Alors, au niveau ELEC, on a dépassé la charge autorisée, donc il me faut plus de condensateurs. Et bon, on va tout dépenser en condensateurs, tant pis. Mais il me faut de l'ELEC. Ok, alors apparemment les bancs c'est pas suffisant pour les...
pour les mecs. Donc on va juste rajouter quelques bancs. Ok. Donc là, le poste activé. Ok, on a un peu de jus. Non, je veux pas le follow. Arrête ça, toi. Bon, on a un tout petit peu de jus. Juste de quoi peut-être aller alimenter nos prisonniers. En électricité. Point suffisant. Ok. Et revendre un petit peu de bois. Je vais augmenter l'espace de stockage. L'entrepôt. Hop. Et on va vendre. Ok, on peut pas vendre plus de bois. On détruira encore quelques forêts. Nécessite une entrée ici. J'ai pas fait le. J'ai pas fait le bureau. Donc ce sera un bureau. Je peux pas encore attribuer la pièce. Bon, ça fait rien. Alors, il va me falloir un peu plus de gardiens. Je peux en engager qu'un seul. Ok. Donc pour le moment ça râle un petit peu. Mais bon. Et puis donc là, on va mettre un petit tuyau qui alimente. Bon, ils vont devoir faire tout le tour, c'est un peu embêtant. De toute façon ici ça sert à rien. Et ici je vais mettre un gros tuyau. Je vais mettre un gros tuyau. Hop. Je vais mettre juste un gros tuyau. Jusque là au bord. Et après des petits tuyaux. Ici c'est pas nécessaire. Voilà. Et on va peut-être maintenant qu'on a reçu les prisonniers supplémentaires. Donc on a les douches qui sont toujours pas alimentées. Ah ouais non. En fait rectification. Oh non, on va faire passer le tuyau ici. C'est pas grave. Allez, hop. On va faire passer un gros tuyau au milieu. Et après que des petits tuyaux.
ça. Puis je vais faire un énorme quadrillage et puis c'est tout. Est-ce que je fais transversal? Allez, hop, juste pour entre guillemets le délire. Non. Juste parce que peut-être que ça aidera un petit peu mieux les coups de mando, mais j'en sais rien. En fait, j'en sais rien, je fais ça comme ça. Tant pis, ça coûte un peu plus cher, mais au moins il y a de la pression dans la douche. J'ai plus qu'à mettre les pommeaux de douche manquants. Voilà, comme ça, la douche est complète. Il manque plus que la cour. Il me manque plus que la cour et j'ai terminé avec ça. Donc on va juste mettre des murs. Alors, pour que ce soit quand même un peu plus chaleureux pour eux, on va mettre des murs en briques. Hop. Voilà, comme ça. Hop, on va juste se mettre une porte de prison. Alors, j'ai mis en pause temporairement, juste le temps de faire ça. Alors, une porte de prison ici. Et pareil, on va reprendre des murs en béton. Et comme ça, après, une fois que ça s'est construit, alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, c'est juste pour l'autoriser l'accès. Hop, ce que je fais, c'est que temporairement, je mets une porte de personnel. Normalement, mon bureau en bas est prêt. Donc là, j'ai plus qu'à. Ah non, il est pas prêt. Bon, ça fait rien, mais au moins, je peux signaler que je veux que ce soit un bureau. Et je vais engager. J'ai pas fait la recherche d'administration, bien sûr. Donc il me faut les finances, il me faut la sécurité, l'entretien, la psychologie, la santé. Les micro-gestions si je peux. Non, je peux plus rien. Donc bon bah. Bon, pour le moment, voilà. Pour le moment, les recherches sont en cours. Donc ça va me rapporter 5 000 une fois que ce sera fait. Et il me reste plus que la cour qui est en cours de construction. Alors le problème c'est que j'ai pas les plans en vue. Bon, ça fait rien. Allez, hop, on va juste laisser faire. Tu es prisonnier de plus, on va éviter. On va éviter, surtout qu'en plus il y a des high-tech en plus qui ont l'air de d'arriver. Je pense qu'avant même.
avant même de faire le la suite. Un décès aujourd'hui, merde. C'est con. C'était même plus un an à faire. Tant pis. Bon. Ouais, ça commence à s'agiter, donc il faut qu'on évolue, hein. Faut qu'on améliore le truc. Alors, en pièces, j'ai la cour qui va être faite. Ok, voilà. Donc j'ai 10 000 de subventions, enfin j'ai une mission qui a été faite. Et il me semblait que je devais mettre des choses obligatoirement, mais dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre ma cabine téléphonique. Ainsi que quelques bandes muscu. Et c'est tout. Je vais également démolir ces murs. Ainsi que cette porte. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est avant de construire les cellules, et là ça va vous faire rire, avant de construire les cellules, on va... On va créer les cellules pas de détention, mais de... d'isolement. Donc c'est du 9. Excusez-moi, attendez, je coupe mon micro. Ok, voilà. Désolé, hein, j'avais un truc dans la gorge. Donc voilà. Faut insuffisant. Ok, d'accord. Donc, maintenant que on a fait une... Donc, l'administration, j'ai déverrouillé. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très rapide. Vous allez voir. Hop. On va prendre un nouveau programme de subvention. Qui sera... La santé des détenus. Ou l'entretien de la prison, tiens. Allez, santé et bien-être des détenus. Hop, on va s'occuper de faire l'infirmerie et tous ces trucs-là. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les sous de la subvention, on engage la comptable. Voilà. Comptable embauché, tout va bien. Et on va aller s'occuper de notre infirmerie. Alors, ça pour le moment, ça va être créé. Alors, maintenant, je vais pouvoir créer. Hop. Ça. Alors, je fais juste ça rapidement. Ça va être les cellules d'isolement. Pour essayer de maintenir un petit peu l'ordre. En attendant que... Qu'est-ce qui se passe sur la... Enfin, qui s'en foutent pas plein la gueule, quoi. Hop, et le... Donc, ouverture. Hop. Et donc, on va faire l'infirmerie et la morgue derrière. Parce qu'on veut faire les deux. Il y a le psychologue également. Le psychologue, ouais, je vais voir, je vais le mettre à côté. Donc là c'est pareil.
béton. Bon, l'infirmerie, on va faire en briques. 4, hop, on va faire pareil. Alors, on va faire une grosse infirmerie, sachant que dedans, il y aura le bureau du psy, en fait. On va faire ça comme ça. Donc, on va faire du 25 x 25 pour l'infirmerie. La morgue, on va la glisser ici. Est-ce que je vais faire également... C'est ça. Je vais mettre en pause. Bien, je peux en détruire. Putain, j'ai que 2000. J'ai annulé des trucs? Non? Si? Peut-être? J'essaie de supprimer au fur et à mesure, mais là j'ai pas beaucoup de fonds pour faire des grosses zones d'un seul coup, donc voilà, comme ça au moins cette petite forêt là va être démolie et je vais pouvoir après revendre le bois qui en découle. Alors, au niveau électricité, donc je vais étendre la courge là. Étendre mon électricité ici. Et parce que je sens qu'il va y avoir des lumières qui ne seront pas éclairées, hop, voilà. C'est bon, donc ici on a de l'électricité. Ici, je me suis planté. Je sais pas ce que j'ai supprimé. Ça a l'air d'être ça. Exact. Alors, électricité, ici. Hop. Tac. Voilà. Et ici, je vais pouvoir commencer à faire les cellules. Les fameuses cellules d'isolement. J'ai l'impression d'avoir fait un poil trop grand, non, peut-être, j'en sais rien. Non, c'est bon. Donc ça va très vite à faire. Et l'avantage, c'est tant qu'il y a... Tant que voilà, tant qu'il y en a qui se tiennent pas tranquilles, en fait, ben... Mine de rien, en fait, ça augmente les capacités de la prison, parce que ceux qui se tiennent pas tranquilles, eh ben, on peut les mettre en isolement. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, ils nous fichent la paix, quoi. Ok, je remets en accéléré. Ouais, et donc pour le moment, je peux pas faire grand-chose. Donc, on va peut-être améliorer tout ça. On va améliorer ce régime-là parce qu'il craint un peu. Donc, réveil 6h du matin. Hop, on va mettre du sommeil jusqu'à 8h. Puis une douche, puis un repas. Non, ils ont déjà un repas le midi, un repas le soir. Allez, hop, ça sera bon. Après, c'est du temps libre. Du temps libre. Et du temps libre. Ouais. Le travail, on le mettra après, hein, de toute façon, parce que pour le moment, le travail carcéral, on l'a pas encore. Et là, au moins... Ouais, nos prisonniers vont commencer peut-être un petit peu à se balader et à être moins être embêtants. Alors, le problème c'est que là ils sont en train de se balader.
et on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Donc on va avoir besoin de prisonniers, enfin de, pas de prisonniers, mais de gardiens, déjà de plus de gardiens dans la prison.